Bonjour, bienvenue dans la boîte à outils et nous sommes avec le morceau Douceur musicale. Alors Douceur musicale, en voilà un morceau qui est justement agréable, où on se repose. C'est un morceau justement d'expression. C'est un morceau calme. D'ailleurs, le tempo est modéré. On dit, c'est le terme exact en italien, c'est moderato, c'est-à-dire ni vite, ni lent, un peu au milieu. Voilà, donc c'est un morceau où on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir chanter, on va pouvoir phraser. Alors pour ça, j'ai plusieurs secrets. J'ai deux outils à vous donner. Mais auparavant, on fait juste un petit flash sur la façon dont le morceau est écrit. A priori, il est construit en trois périodes bien distinctes. La première période, le premier mouvement, c'est de la mesure 1 à la mesure 12. Ensuite, il y a une seconde partie qui est de la mesure 13 à la mesure 20. Et la troisième partie de la mesure 21 à la fin. Voilà. Alors, mes deux outils que je sors de ma boîte. Le premier, eh bien, c'est de tenir au maximum les respirations qui sont indiquées. Et éventuellement, quand il y en a qui sont entre parenthèses, bon, on va essayer de s'en dispenser. Alors, par exemple, si on joue la première période, ça nous donnera quelque chose comme ça. Alors, quand même, à ce tempo-là, on a le temps de prendre des respirations calmes. Et surtout, ça, c'est important dans n'importe quel type de musique, de regarder le plus loin possible là où on va, jusqu'où on doit aller. Et là, en l'occurrence, par exemple, il faut viser la respiration suivante pour savoir, pour prévoir à peu près combien d'air on a besoin. Voilà, ça c'est une chose importante. Le deuxième outil que je sors de ma boîte, évidemment, comme on disait, c'est expressif, c'est chanté, il faut qu'on sente que ce soit très mélodieux. Si on joue ça en pensant trop au rythme, à un rythme un peu figé comme ça, si on fait et ça risque de ressembler plutôt à une marche militaire. Alors, c'est pas du tout l'esprit du morceau. Alors, au contraire, on va le penser justement, toujours voir à long terme. Et comme si on avait un fil conducteur et qu'on le déroulait. Donc, pensez plutôt. Comme ça. Alors, on va le refaire un peu. Donc, je le joue une fois moi, et ensuite, comme ça, tu pourras mettre sur pause et le rejouer derrière. Ou le refaire en même temps que moi. Voilà, ça c'était la première grande section. Dans la deuxième section, pour venir aussi conforter cet esprit mélodique, le compositeur a ajouté des liaisons. Ben oui, les liaisons aussi, c'est très expressif. Ta, 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 ta.
on va les faire chacune séparée. Donc, je vous joue les mesures 13 et 14. Encore. 3, 4. Il ne faut pas hésiter à mettre sur pause et le faire une fois ou deux, même tout seul, pour bien écouter la liaison. Si je joue la mesure, les mesures 15 et 16, ça va donner... C'est-à-dire... Fa, fa, la, sol, mi, mi. Donc... Ta, 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 ta. Encore. 3, 4. Voilà, mesure 17 et 18, pas de liaison. Mais ça ne nous empêche pas d'être expressif, et pour ça, par exemple, de viser le si. La, la, fa, si, sol, sol. Ça nous donne une petite direction. Encore. 3, 4. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et le refaire. Et enfin, les mesures 19 et 20, retour de la liaison. Fa, sol, fa, mi, ré, ré. Alors là, on va combiner donc la liaison, bien sûr, et on va aussi penser à la direction et on va se diriger vers le mi. Fa, sol, fa, mi, ré, ré. Encore. 3, 4. Voilà, on est d'accord que ça donne un côté moins raide et rigide comme ça. Bon, ensuite, la bonne nouvelle, c'est que la troisième partie, elle ressemble beaucoup à la première. Donc ça, c'est super. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a des respirations dont on pourra se passer. Je pense à la respiration, par exemple, de la mesure 27 après le mi blanche pointée. À voir. Ce qui donnerait... Si on n'y arrive pas tout de suite, on peut essayer avec deux autres astuces. Déjà, la première chose, c'est de respirer beaucoup avant le sol. Sol, mi, ré, sol, la, sol, etc. Prendre deux grandes respirations. Mais aussi de jouer piano. Comme ça, on dépense moins d'air. Et en plus, ça tombe bien. Ça rendra le morceau plus expressif. Ça va donner une couleur différente et on reconnaîtra, mais ce sera plus subtil, que le compositeur fait référence à la première période. Alors, grande respiration et on joue piano derrière. Essaye de faire plusieurs fois, je suis sûre qu'on va y arriver. Et pour terminer, on a la liaison à la fin sur mi, sol.